Bonjour et bienvenue sur Automoto du côté de Munich pour essayer la nouvelle BMW 90 Scrambler. Alors là vous voyez les 90 traditionnels, standard, ce roadster vintage avec sa fourche dorée inversée et puis son système de freinage à fixation radiale avec des gros disques, jantes à rayons. Et là vous avez la version Scrambler. Plus basique avec un peu plus de débattement, fait aussi un tout petit peu pour le tout-chemin. Donc on a une fourche plus fine, télescopique, on a un freinage plus classique avec des fixations axiales, les jantes à bâtons sont aussi moins coûteuses, on peut mettre des jantes à rayons en option, on peut aussi mettre des pneus à crampons pour faire plus scrambler. Le réservoir a été changé, il est en acier désormais, non plus en aluminium. Par contre, le moteur reste le même, le 1170, le flat, refroidi par air et huile. La position de conduite a changé également, elle est légèrement relevée. La selle est spécifique à ce modèle. On a une transmission toujours par cardan. L'amortisseur arrière offre lui aussi davantage de débattement pour pouvoir grimper plus facilement les trottoirs des beaux quartiers. L'échappement est spécifique également, en inox. Là on voit qu'on a le logo Akrapovic. Une belle machine, avec toujours une ergonomie parfaite chez BM, des commodos bien faits. On voit qu'on a l'ABS déconnectable ici. Ça évidemment c'est de l'option GPS. Ici on a une instrumentation assez minimaliste mais lisible. Et les poignées chauffantes là, c'est également de l'option. On va mettre le contact. C'est un joli bruit d'origine hein, avec cet échappement à crapaud de série. Allez, première. Et on est parti. Première chose qui marque avec ce bicylindre 1200, c'est vraiment sa souplesse, c'est incroyable. On peut rouler à 40 km/h en 6e, on n'a aucun à-coup, et rester en 6 jusqu'à 210 sans problème. Un vrai régal pour évoluer en ville. La boîte est aussi très douce, précise, on trouve facilement le point mort, c'est impeccable. Et alors si la machine fait 220 kg et qu'elle est relativement lourde, elle est quand même très bien équilibrée grâce à son moteur à plat qui rabaisse le centre de gravité. Comme toujours chez BM, on a un excellent freinage. La fourche plonge un petit peu, mais la moto reste toujours hyper stable. C'est progressif, l'ABS se déclenche pas trop vite. Alors par rapport à la 90, on a une roue avant de 19 pouces avec un angle de chasse plus ouvert. Donc une moto théoriquement plus stable. Et en effet, c'est un vrai rail en courbe. Alors s'il n'y a absolument rien à dire sur le comportement routier, par contre je suis un peu déçu par le confort, parce que même si on a plus de débattement, l'amortisseur arrière est vraiment très sec et parfois il a tendance à rebondir. Là-dessus la selle est quand même elle aussi très raide. Il faudra prévoir une selle confort en option. Durant cet essai sur les petites routes autrichiennes, ma consommation s'est élevée à 5,2 litres et je ne me suis pas privé, croyez-moi. Et au niveau tarif, il faudra prévoir 13 550 euros. Alors c'est cher certes, mais c'est toujours 1850 euros de moins que le Roadster 90. Allez, à bientôt sur Automoto.